l'avez peut-être découvert dans mon récap d'août, le jeu Age of Comics va bientôt commencer sa campagne Kickstarter, l'occasion pour moi de vous présenter plus en détail les mécaniques de ce projet signé Lirius Games. Je vous renvoie vers le récap en question si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire et les concepts de ce placement d'ouvriers. Ici, nous allons nous attacher à bien comprendre son fonctionnement, afin que vous puissiez décider si le titre est fait pour vous. En effet, de prime abord, deux impressions se confrontent. Entre la promesse d'un jeu accessible et celle d'un euro réaliste, vous vous demandez peut-être si le titre aurait sa place sur votre étagère. Sans plus de cérémonie, découvrons les divers éléments qui composent le jeu. Dans Age of Comics, votre but est de devenir l'éditeur le plus populaire du New York des années 40 et 50. Votre réussite sera calculée en fin de partie par des points de victoire. Ces points, s'ils sont l'unique façon de mesurer votre réussite, peuvent être obtenus de diverses façons. Que ce soit en publiant des ouvrages, en gagnant de l'argent ou en améliorant vos standards d'impression, les façons de l'emporter seront nombreuses, nous allons le voir. Le plateau de jeu se découpe en trois grandes parties. La partie gauche mesure le succès de votre entreprise et sera la manière principale dont vous obtiendrez des points de victoire. Chaque comic publié sera placé sur votre colonne en fonction de sa popularité, qui elle-même vous rapportera de l'argent. Notez que tous les ouvrages perdent régulièrement des fans au fil du temps. La partie centrale va représenter les actions que vous pourrez effectuer à chaque tour avec vos ouvriers. Il s'agit du cœur du jeu, nous en reparlerons très bientôt. La partie droite est un ajout original au concept de pose d'ouvrier. Vous déplacerez, en effectuant l'action correspondante, votre représentant dans divers quartiers de la ville afin de signer des contrats avec des kiosques, contrats qui vous rapporteront des bonus s'ils sont honorés. À droite de ce plateau de jeu se trouvent diverses rivières de cartes, constituant les choix à votre disposition quand vous recruterez de nouveaux artistes ou travaillerez sur de nouveaux ouvrages. Chaque joueur sera également doté d'un plateau personnel, sur lequel il assemblera auteurs, dessinateurs et idées afin de concevoir de nouveaux comics. Notez que les petits cubes permettent de débloquer des actions bonus sur le plateau central à mesure que vous éditez vos œuvres. Une fois le jeu mis en place, un tour va se dérouler en trois étapes. Pendant la phase d'entretien, vous allez commencer par révéler une tuile du calendrier qui sert de compte-tour et retourner tous les jetons correspondants en ville. C'est en quelque sorte la tendance du moment, que vous ne serez pas obligé de suivre, mais qui peut vous donner un avantage significatif si vous vous en inspirez au cours de la partie. Après avoir regarni le plateau principal en jetons, et éventuellement avoir entraîné vos employés pour augmenter leur potentiel, vous passerez à la phase d'action proprement dite, sur laquelle nous allons nous attarder un peu puisque c'est à ce moment que vous allez placer chacun de vos ouvriers. Vous commencez le jeu avec 4 de ces ouvriers appelés éditeurs, plus un sur le plateau que vous devrez déverrouiller. Pendant cette phase du tour, chaque joueur va successivement poser un de ses éditeurs dans la zone de son choix. L'emplacement recruté est le plus évident, il va vous permettre de récupérer un auteur et un dessinateur parmi les cartes disponibles à côté du plateau. Chacune de ces cartes présente 3 caractéristiques essentielles, une valeur, correspondant à la fois au salaire de l'artiste mais aussi à la qualité de ce qu'il va produire, un genre de prédilection, et le nombre de fan bonus qu'obtiendra le comic qu'il va créer s'il correspond à ce genre. Prenez garde, ces cartes, comme la plupart des éléments du jeu, ne sont renouvelées que pendant la phase d'entretien, l'aspect premier arrivé, premier servi est donc prépondérant dans les mécaniques. L'action développée est assez similaire au recrutement, à l'exception que c'est une carte comique que vous allez récupérer. Gardez à l'esprit qu'à chaque fois que l'on vous demande de choisir une carte, vous pouvez prendre la première du paquet, bien que vous ne sachiez pas exactement ce qu'elle contient. Avec l'action Chercher l'inspiration, vous récolterez des jetons idées, indispensables à l'édition de comics. Comme les cartes, ils ne sont renouvelés qu'entre les tours. Sur la deuxième ligne de la partie centrale se trouve l'action Impression, absolument cruciale puisque c'est elle qui vous permettra de publier de nouveaux livres. Pour effectuer cette action, vous devez remplir un certain nombre de prérequis. Avant toute chose, vous devez avoir dans votre main au moins un auteur, un illustrateur ainsi qu'une carte comique, et devez payer 2 jetons idées correspondant au genre de celui-ci. Placez ces 3 cartes sur l'emplacement le plus à gauche de votre plateau personnel. Le cumul de la valeur artistique, à gauche de vos 2 artistes, représente le prix que vous devrez les payer si vous voulez qu'ils travaillent. Récupérez le bonus d'impression situé dans le coin inférieur droit de la carte comique, cela peut être des fans ou de l'argent par exemple. A partir de votre deuxième parution, vous débloquerez également un cube que vous pourrez utiliser afin d'améliorer l'une des actions du plateau, nous y reviendrons. Enfin, placez le comic édité sur la partie gauche du plateau central.
Le nombre de fans de départ de votre ouvrage correspond au cumul du chiffre écrit dans la partie supérieure droite de votre carte comique, de celui de vos cartes employées uniquement s'il s'agit de leur genre de prédilection, et de divers bonus pouvant être obtenus en jeu. L'avant-dernière action disponible est celle d'aller démarcher les kiosques en ville pour augmenter vos ventes et votre popularité. Déplacez-vous d'autant de quartiers que votre action vous le permet, ou utilisez les transports en commun, puis retournez et ou récupérez les jetons situés autour de vous. Si vous réussissez ou si vous avez déjà imprimé de quoi satisfaire la commande, la popularité du comic concerné augmente immédiatement. Cette action est importante puisqu'elle crée une nécessité de planifier et d'organiser ses sorties tout en ajoutant une notion de contrôle de zone et de stratégie à un jeu qui serait sans ça assez figé sur sa partie centrale. Ne soyez pas trop gourmand cependant, car les commandes non honorées vous infligeront des points malus en fin de partie. Dernière action possible, un peu l'action par défaut, collecter les royalties vous permet de gagner immédiatement de l'argent. Comme vous avez pu le voir, l'essentiel de vos revenus partira dans les frais d'édition de vos œuvres, ainsi que dans les transports en commun si vous voulez couvrir beaucoup de terrain avec vos représentants. Si vous prêtez attention à cette partie centrale du plateau, deux choses vont vous sauter aux yeux. Tout d'abord, et je l'ai déjà évoqué, la notion de premier arrivé, premier servi est prépondérante, ici dans le sens où le premier joueur effectuant une action bénéficiera d'une meilleure récompense que ceux qui le suivront, jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'emplacement disponible. Il est bien évidemment impossible de tout faire, et cette mécanique de rentabilité, couplée à la partie vente et démarchage sur le côté droit du plateau, permet de créer des points de pression sur un adversaire qui dominerait largement, ainsi que de toujours laisser des options et des façons de revenir à ceux qui auraient pris un mauvais départ. Comme il existe plusieurs moyens de gagner des fans et de l'argent, il existe plusieurs solutions pour contrer un adversaire dominant, soit sur son terrain, soit dans un domaine qu'il a choisi d'ignorer. Deuxième élément marquant sur cette partie du plateau, la zone située sous chaque action, indiquant une action bonus pouvant être débloquée grâce à un cube de votre plateau joueur. Au fil de vos parutions, chacun de ces cubes pourra être utilisé pour débloquer un ouvrier supplémentaire ou une amélioration d'action à chaque fois que vous visiterez la zone concernée. Cela peut vous donner plus de flexibilité dans votre jeu, ou bien faire en sorte qu'une action reste rentable, même si vous êtes parmi les derniers à la réaliser ce tour. Quand tout le monde a placé tous ses ouvriers, survient la phase de fin de tour, qui consiste essentiellement à récupérer les revenus et les points de victoire liés à vos ventes et à votre popularité, à renouveler les rivières de cartes, ainsi qu'à faire perdre un fan à chaque publication. Commence alors un nouveau tour, décrit en début de vidéo. N'oubliez pas que c'est le seul moment où vous aurez la possibilité de former vos employés déjà affectés à des comics afin de relancer leur popularité. Il me reste un élément à évoquer afin que notre présentation soit complète. Pour chaque genre de publication dans le jeu, le joueur ayant publié le plus de livres recevra un bonus de maîtrise, rapportant à la fois des points de victoire mais aussi des fans pour chaque comic du genre qui l'éditera. Cette addition, très thématique, permet d'inclure une mécanique non moins thématique car très propre à la période, le plagiat. Les plagiats sont une façon simple et rapide de voler le bonus de maîtrise d'un autre joueur, en créant des livres sans nécessité de jetons inspiration. Ce n'est bien sûr pas sans contrepartie, puisque ces albums subiront toujours un déficit de popularité et qu'ils ne vous rapporteront aucun point en fin de partie, l'équilibre à trouver peut donc être délicat. En fin de partie justement, vous ajouterez aux points de victoire reçus en cours de partie le nombre de fans obtenus lors du dernier tour, l'argent et les jetons ID qu'il vous reste, à un ratio de 4 pour 1 point, ainsi qu'un certain nombre de points pour chaque album original publié. N'oubliez pas que vos commandes non honorées vous feront perdre des points. Le joueur avec le plus de points est bien sûr désigné vainqueur, et vous l'avez compris, ce jeu a énormément de potentiel. D'abord, il est magnifique et son matériel est particulièrement soigné. Sans comporter de miniatures ni aucun élément à la mode mais hors de prix, Age of Comics est un très bel euro classique, bourré d'un thème particulièrement original et saillant. Bien sûr, on peut lui reprocher sa sagesse, particulièrement dans la variété de ses mécaniques, alors que Kickstarter nous a habitués à 6 modes de jeu par titre afin de justifier des tarifs exorbitants, Yerius Games choisit de proposer un premier titre maîtrisé qui fait ce qu'on en attend. Si certains regretteront le peu de comics disponibles étant donné leur beauté, sachez qu'il n'est pas exclu que de nouvelles parutions, ainsi que quelques modules facultatifs, fassent tout de même leur entrée au fil des stretch goals de la campagne. La vraie question que l'on peut se poser, c'est est-ce que ce ne sera pas trop compliqué pour moi vu que c'est un euro, ou au contraire, est-ce que ça ne me paraîtra pas trop simple si je suis habitué aux jeux de gestion?
La réponse est bien sûr subjective, même si d'office il est apparent que le titre se place sur la frange medium light du spectre. Ceci étant, le catégoriser comme familial serait excessif, même s'il possède un atout non négligeable pour se rendre accessible. Nous l'avons vu en surface, Age of Comics dispose d'une économie complète et relativement complexe, entre le recrutement et la formation d'artistes, l'impression au fil des tendances, et le fait d'honorer un carnet de commandes. Pourtant, toutes ces étapes, bien que simplifiées, parlent immédiatement à tout type de joueur et paraissent logiques, ce qui fait que les mécaniques et les règles de ce jeu sont particulièrement simples à s'approprier. Si je devais faire un parallèle pour illustrer mon propos, je dirais qu'à complexité égale, il sera plus simple d'apprendre à un novice à jouer à Age of Comics, dans lequel il va faire des actions qu'il comprend, qui ont du sens pour lui, qu'à un jeu vous proposant de simuler l'économie d'un groupe d'elfes des bois qui paierait ses plantes exotiques en champignons magiques. C'est cela qui le place un peu plus bas sur l'échelle de la difficulté, non pas une absence d'enjeu, de richesse d'action ou de possibilité de remporter la partie. Le premier projet de Lyrius Games convient, d'après moi, aussi bien à un groupe de casual curieux qu'à une tablée plus experte à la recherche d'un beau jeu, plein de suspense et de surprises. Si l'interaction en dehors du blocage des emplacements est limitée, si la mise en place de tous les petits jetons peut paraître plus longue que la moyenne, le titre n'en reste pas moins un vrai coup de cœur dans cette catégorie, titre dont le prix et le thème rare justifient définitivement que l'on s'y intéresse. C'est la fin de cette présentation d'Age of Comics, dont la campagne commence en tout début de semaine prochaine. Moi je vous donne rendez-vous dès dimanche pour parler d'une des plus grosses sorties de ce mois de septembre. D'ici là, à vos crayons, salut !